Le type de charge formation de poche vous permet de simuler les actions de pluie sur les surfaces à courbure multiple en considérant les déplacements selon l'analyse des grandes déformations. Ce processus numérique analyse la géométrie de surface assignée et détermine la quantité d'eau de pluie qui s'écoule et s'accumule dans les poches d'eau sur la surface. La grandeur de la poche d'eau donne une charge verticale pour le calcul de structure. Cette fonctionnalité peut par exemple être utilisée pour analyser des géométries de toiture à membrane, presque horizontales soumises à une charge de pluie.